Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo review. Aujourd'hui à cette petite boîte, on va faire une Kalachnikov. C'est le modèle GKM de chez G&G, donc c'est une réplique d'AKM par G&G. Alors on va commencer tout de suite. La boîte est plutôt bien faite. Une grande boîte bleue avec une petite photo de la réplique qu'on voit juste ici. Comme d'habitude, hein, avec les logos du fabricant, etc. À l'ouverture, nous trouverons la réplique très bien emballée, comme vous le voyez. On a accès ici à un petit manuel G&G, on va y revenir juste après. Donc on y voit qu'elle est très bien calée avec des petites cales en polystyrène qui la maintiennent, ainsi que des petites protections comme celle-ci. C'est vraiment bien fait et on peut voir que le package est assez complet. On va y revenir tout de suite. Un chargeur iCap en métal de 600 billes, la réplique du AKM, deux garde-mains comme celui-ci qui servent officiellement de batterie, on va y revenir juste après. Donc là j'en ai un dans la boîte et un monté sur la réplique déjà, prêt à l'emploi. Une tige de nettoyage du bourrage, l'adaptateur spécifique pour les batteries, et dans cette petite boîte juste ici, vous trouverez de quoi charger la batterie d'origine. C'est très bien fait, tout est livré d'origine pour utiliser la réplique. Comme vous le voyez, on a le chargeur de batterie avec sa prise secteur à l'intérieur. On a aussi une petite clé de réglage qui nous permettra de régler le front side, on va y revenir aussi après. Et voilà donc la GKM de chez G&G. Alors la GKM, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une réplique d'AKM, mais comme G&G n'a pas licence Kalachnikov, ils ont appelé ça GKM tout simplement, mais c'est officiellement une réplique de AKM. On va y revenir juste après, comment on peut la différencier par rapport à un AK-47 classique. Comme je vous l'ai dit, un petit manuel est fourni dans la boîte. Alors c'est un manuel spécifique au français, donc celui-là est traduit spécialement en français, donc très bien fait en papier glacé avec des sécurités comme d'habitude. Le catalogue de tous les types Kalachnikov G&G, on nous explique le système de la gearbox pneumatique G&G, donc par exemple les modes de tir, l'installation et le chargement de la batterie, garnir le chargeur, régler les front side et rear side, régler le hop-up, enfin c'est très général, mais c'est vraiment très bien fait. G&G fait ça vraiment super bien. On a même des éclatés de chaque réplique à la fin. On a un éclaté de chaque réplique de type Kalachnikov G&G et ça c'est vraiment pas mal. Alors avant d'attaquer la réplique, on va s'attarder un petit peu à l'AKM, on en est le même. L'AKM, ou plutôt Автомат Калашникова модернизирование. Fusil d'assaut Kalachnikov modernisé en français, et la version en tôle emboutie de l'AK-47, afin d'en réduire les coûts de production. Il a remplacé son prédécesseur dans l'armée rouge, puis dans celle des pays du pacte de Varsovie. Produit massivement, il représente l'essentiel des Kalachnikov utilisés dans le monde. Les médias confondent souvent l'AK-47 et l'AKM. Lancé en 1959, il est toujours en production aujourd'hui. La construction de la carcasse se fait par estampage et rivetage. Mais la crosse et le garde-main sont réalisés en contreplaqué de bouleau. Léger et peu coûteux, le mécanisme de détente est pourvu d'un retardateur pour interdire la percussion précoce avant verrouillage d'une cartouche. Par ailleurs, le cylindre de récupération des gaz est aussi amélioré, et la hausse, auparavant graduée jusqu'à 800 mètres et portée jusqu'à 1000 mètres. Les résultats sont spectaculaires, la masse de l'arme chutant de 4,3 à 3,14 kg, le coût et le temps de construction sont aussi réduits. La version avec crosse pliante en métal embouti destinée aux équipages de blindés, aux parachutistes et aux fantassins des BMP, nommé AKMS, réduit la longueur de l'arme de 868 à 699 mm. De leur côté, les arsenaux chinois, birmans et pakistanais produisent une version à carcasse en acier emboutie du fusil type 56. En 1963, en une nouvelle refonte, l'AKM est équipé d'un compensateur de recul, un embout biseauté qui contre en partie la tendance de l'arme à remonter lors du tir. Les AKM peuvent être dotés de nombreux accessoires, par exemple le silencieux PBS et la lunette de tir de nuit NSPU. Un lance-grenade adaptable sous le canon est aussi développé pour l'AKM, le 6G15, lançant des grenades de 40 mm. Le GKM de G&G Armement est une réplique d'airsoft en métal et bois. La crosse et le garde-main sont en bois verni, le restant du corps est en acier. Elle possède notamment le système pneumatique blowback qui vous permet d'avoir un petit recul lors du tir. Contrairement à d'autres répliques, la GKM possède deux garde-mains bois munis d'une batterie LiPo 11-1 intégrée, rechargeable via adaptateur fourni dans la boîte. Le chargeur, quant à lui, est un iCap. Il est doté d'une capacité de 600 billes. Voilà de ce qui est l'AKM. Donc là, comme je vous l'ai dit, on va attaquer la réplique de chez G&G. Visuellement, on reconnaît bien là une AKM, j'entends par là le petit cache-flamme type biseauté comme il l'indiquait dans la description. C'est en effet avec ça qu'on reconnaît beaucoup les AKM, c'est grâce à ce petit cache-flamme coupé en biseau qui va permettre de contrôler le recul vertical avec l'éjection des gaz vers le haut. Quand le tir est effectué, le gaz s'évacue vers le haut et du coup contrôle le recul vertical. C'est plutôt bien pensé. On la reconnaît aussi parce qu'elle a une crosse un peu différente de la AK-47, elle est un peu plus fine. On va commencer comme d'habitude, on va la regarder en long en large. On peut voir que c'est une très très belle réplique. En acier et en bois verni, ça lui donne vraiment un style très très sympa. Perso, j'adore les Kalachnikov. J'en ai pas personnellement pour moi, mais je compte bien m'en prendre une un jour, je prendrai une L7T, je pense. Ce modèle 6 est une réplique qui à la base a été prêtée par Guillaume, mon partenaire, mais qui a finalement été achetée par un de mes amis qui se l'est procuré, donc il me prête la réplique pour en faire une vidéo. Alors, on va commencer simplement, on va faire les marquages, il y en a pas beaucoup, je vous le dis tout de suite. On a un numéro de série gravé ici dans le matériau, donc 2014-00133, je pense qu'elle a été fabriquée en 2014 et c'est la numéro 133, j'imagine, je ne sais pas. En dessous, mais très discret, on a un marquage CE, je ne sais pas pourquoi, mais c'est discret, donc on ne le voit pas. On a aussi le marquage du sélecteur
position de tir en alphabet cyrillique comme d'habitude. Donc là, elle est en position sécurité, full et semi. Au passage, le sélecteur est très bien marqué. On a aussi bien évidemment la graduation de la mire de visée. Pour ce qui est des marquages, c'est tout, il n'y a pas grand chose. Étant donné que GEG n'a pas les licences officielles Kalachnikov, on peut pas non plus leur en demander des tonnes. Le chargeur, rien à dire, c'est un chargeur ICAP 600 billes en acier, avec la petite molette. Alors la première fois que je l'ai pris dans les mains, j'ai senti un espèce de... J'ai eu un petit ressenti bizarre, en fait la peinture est un peu granuleuse au toucher, c'est un peu bizarre mais ça passe bien. Alors au niveau compatibilité des chargeurs sur cette réplique, je vais y venir tout de suite. Cette réplique est très galère pour les chargeurs. On a essayé d'acheter des chargeurs AK Sima, ils ne rentrent pas du tout dans la réplique, ça force à ce niveau-là, ça sert à rien. Je me suis renseigné sur internet, les peu de gens que j'ai trouvé qui ont cette GKM me disent que le seul chargeur qu'ils ont trouvé compatible c'était à l'époque les King Arms de 150 coups, mais ça se fabrique plus aujourd'hui. À l'heure actuelle, si vous voulez vraiment des chargeurs mid-cap pour cette réplique, il va falloir prendre les GEG 60 coups. Je sais, c'est pas beaucoup, mais bon, c'est toujours mieux que d'avoir un maracas. C'est un AEG standard, comment ça fonctionne, c'est hyper simple, c'est comme un type AK. On a la sécurité et le sélecteur de tir sur le côté droit, donc là on est en sécu, full automatique et semi. Donc bon bah comme d'habitude sur les AK, on a la petite trace du sélecteur qui vient au fur et à mesure sur la peinture, mais bon ça fait un effet un petit peu irréaliste, j'ai envie de vous dire. De ce même côté, si on tire le petit levier d'armement, on va avoir accès au réglage du hop-up, qui va se faire dans la trappe, sous forme de petite tigette, vous la voyez là, elle est juste là. Donc on la pousse vers l'avant ou vers l'arrière pour régler le hop-up, tout simplement. On a le cran de mire sur le dessus, type AK, on peut le régler pour augmenter la portée. C'est comme sur le vrai, c'est plutôt sympa. On peut bien évidemment retirer le capot supérieur de la réplique. On appuie sur cette pièce et on retire le capot. Donc voilà, là on voit la gearbox et quelques parties de la mécanique interne. De l'autre côté, on a déjà l'installation pour le éventuel futur support de rail qui vient se mettre ici sur le dessus du capot. On a l'éjection du chargeur qui se fait ici. Pour ceux qui ne connaissent pas trop les AK, on appuie ici et on peut éjecter le chargeur comme ceci. Le chargeur se met d'abord par l'avant et ensuite on vient coulisser l'arrière comme ceci. Voilà. On a des attaches angles d'origine, donc un à la crosse sous forme de petite attache normale là. Un sur le côté gauche juste ici là, à l'avant. Le cache-flamme est bel et bien dévissable, on appuie sur le petit ergo et on tourne d'un sens ou dans l'autre. Donc voilà, on dévisse le cache-flamme et on a accès à un pad de vis 14 mm anti-horaire comme d'habitude. Donc la réplique est fabriquée en acier et en bois. On n'a qu'une seule partie vraiment petit plastique, c'est ici, c'est la poignée pistolet. Donc là on a vraiment de l'acier partout, que ce soit le chargeur, le corps, les canons. Là on a vraiment du bois, un bon bois sympa en contreplaqué et verni en plus. Vraiment sympa, vraiment bien fait. Comme je vous l'expliquais, la batterie est un petit peu spécifique sur cette réplique, je m'explique. Dans la boîte, vous avez deux garde-mains comme celui-ci de fourni. Donc là, il y en a un sur la réplique et un dans ma main gauche. Ces garde-mains intègrent dans leur compartiment une batterie 11.1 LiPo. Vous me direz si, admettons, la batterie tombe en panne. Je vous rassure, il y a moyen de la changer. Je vais pas le faire, ça sert à rien. Je l'ai fait en hors vidéo pour voir si c'était possible. On démonte, donc on enlève ces deux vis, une là et une là. On peut retirer les parties plastiques à l'intérieur du garde-main et on a accès à la batterie LiPo juste en dessous. J'ai vérifié, c'est une LiPo normale, type stick, trois éléments, qui vient se coulisser dans le garde-main. Donc si vous avez un problème un jour, il faudra, vous pourrez vous-même la changer sans forcément racheter le garde-main. Sachant que d'origine, c'est quand même pas dégueu, vous avez deux de ces garde-mains fournis. Sachant que pour jouer moyennement une journée avec une réplique, on vous conseillera une batterie le matin et une batterie l'après-midi. Personnellement, c'est ce que je fais pour jouer. Et donc là, dans la boîte, on en a déjà deux, donc je trouve ça assez remarquable quand même. Dans la boîte, on trouvera aussi son chargeur de batterie. Donc on branche tout simplement la batterie sur ce compartiment-là, avec l'adaptateur, et on branche tout simplement ceci à un chargeur batterie LiPo standard. Je m'explique, là on en a un fourni d'origine. Donc on le branche tout simplement ici, vous voyez, c'est un chargeur batterie LiPo standard. Il peut vous dire la tension de votre batterie sans forcément la brancher sur le secteur, et lorsque le chargement sera complet, il vous dira, grâce au petit écran LCD ici, il vous dira full, donc elle sera pleine, et il bipera pour vous dire qu'elle est pleine. Donc qui dit batterie dans le garde-main dit batterie propriétaire. Moi je vais vous dire, c'est un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que c'est hyper simple à insérer dans la réplique, ça se fait très bien, c'est moins casse-couille que de mettre une batterie stick dans le type capot qu'on a sur beaucoup de Kalachnikov. L'inconvénient, c'était quand même un bel inconvénient pour moi, je trouve, enfin, personnellement. Personnellement, je suis un genre de mec qui aime bien regarder ses répliques, les admirer, jouer avec, les manipuler, vous amuser, quoi. Le problème, c'est que si on veut avoir une belle Kalachnikov comme ceci dans les mains, eh ben on est obligé de mettre le garde-main dans la réplique, ce qui veut dire qu'on est obligé de mettre la réplique sous tension avec la batterie. Là, vous voyez, pour la vidéo, j'ai mis le garde-main. J'ai pas forcément de mettre une batterie d'habitude quand je fais une vidéo, mais là, elle est insérée dedans. Donc, je vous rassure, il n'y a pas de bille d'engager, j'ai vérifié avant, il n'y a pas de bille, il n'y a pas de chargeur. Par exemple, là, j'ai bien mis mon garde-main juste pour faire la vidéo, mais elle est quand même sous tension, vous voyez. C'est ça que je trouve un peu dommage, c'est qu'en fait,
c'est pas vraiment très sécurisant, je veux dire. Si vous voulez juste faire des photos ou manipuler la réplique, vous avez oublié qu'il restait des billes dans le chargeur ou un truc du genre et que vous mettez la batterie, un coup peut partir assez rapidement, donc faites vraiment attention à ça. Donc moi, c'est pour ça que je préconise qu'à la fin de chaque partie, ou après chaque manche, j'enlève mon chargeur, je tire 2-3 coups à vide en l'air, pour éviter que ça ne touche personne, pour être sûr que la dernière bille soit éjectée du hop-up. Donc, pour l'insertion de la batterie, c'est plutôt simple. De ce côté, au niveau de la tâche angle, on a un petit bouton qui est juste ici, là, on le voit, il est très petit, c'est hyper simple à manipuler, on appuie sur ce bouton, donc voilà, on tire sur le petit attache-angle, on remonte bien la pièce complètement jusqu'en haut, voilà, comme ceci, et là, on va tout simplement venir tirer la batterie vers le haut, la désengager, et voilà, on retire la batterie comme ceci. On a bien l'emplacement d'écosse juste ici, là, donc on met le garde-main comme ça, on fixe l'écosse de la batterie dans l'écosse de la réplique, donc je vous remontre pour la vidéo, on insère bien l'arrière en premier, on clipse le tout, on enfonce bien, on remet la partie attache-angle, et on la clipse bien dans les garnitures du garde-main. Et voilà, là, la batterie est remise. Bon, l'inconvénient, comme je vous ai dit, c'est que votre réplique sera toujours sous tension à partir du moment où vous aurez le garde-main installé dedans. Donc d'origine, vous aurez aussi cette petite pièce qui va vous permettre de régler la mire avant de votre réplique. Donc on prend le front side avec la pièce, et on tourne tout simplement dans le sens pour relever, pour redescendre ou rehausser la mire, hein, tout simplement. Je vais maintenant vous parler des caractéristiques techniques de la réplique. Alors, on a une réplique de type électrique, fabriquée en métal et en acier, d'une puissance de 1,2 joules. Elle dispose du système blowback pneumatique GEG, on va y revenir juste après. Elle pèse 3720 grammes, un poids un petit peu plus lourd que la vraie AKM pour le coup, mais au moins ça lui donne un bon aspect de solidité. Elle est d'une longueur de 915 mm, elle dispose du mode de tir sécurité semi et full auto, son chargeur d'origine est en métal et comporte 600 billes, la cadence de tir théorique est de 600 à 700 billes par minute, le hop-up est ajustable, la gearbox est une version 3 type Kalachnikov, elle dispose du moteur axe court GEG 18000 RPM high torque, elle dispose de deux batteries lipo intégrées, 11,1V, 1100 et NiMH. Et bien sûr, c'est fabriqué par GEG. Étant donné qu'on a une batterie d'insérée d'origine, on va regarder un petit peu le son qu'elle procure, et voir un petit peu sa cadence en théorie. Et on va aussi voir le système pneumatique blowback. Le système pneumatique, c'est tout simplement un système qui utilise l'air dans la gearbox, qui vient faire reculer un petit peu le mouvement de levier d'armement à l'arrière. Bon, c'est pas énorme, il n'y a même pas de recul, hein, c'est vraiment très, très sympathique, juste pour l'aspect visuel. Donc pour faire actionner le système pneumatique, normalement, il faudrait avoir des billes dans le chargeur et tirer. Car les billes bouchent l'entrée du canon, et ça comprime l'air dans le canon qui fait reculer le système blowback. Donc pour ce faire, je vais mettre mon doigt au bout du canon pour bloquer l'air. Je vous rassure, il n'y a pas de billes dans le hop-up et il n'y a pas de billes dans le chargeur, sinon ça me ferait très mal au doigt. Hein. En semi pour commencer. Vous voyez, il y a vraiment un léger petit recul, c'est pas extraordinaire, hein. C'est juste visuel. Hein. Donc d'origine, c'est plutôt pas mal en réactivité. Hein. En même temps, on a une batterie lipo 11,1 à l'intérieur, donc... tourne quand même pas mal. On va remettre du full. Ouais, c'est plutôt sympa, franchement. D'origine, c'est vraiment cool. Hein. On a une bonne petite cadence, je trouve, en full en tout cas. Et même en réactivité en semi, c'est pas dégueu du tout. Hein. J'ai vu des répliques bien pires que ça. Écoutez, on a fait le tour de la réplique. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous retrouver pour le test de tir et le test chrony. Et on se retrouve juste après. Test du tir du GKM GEG, une AKM de chez GEG. Et je commence à 10 mètres en semi.
Allez, on finit en full. On va essayer de faire du semi-rapide. Elle tient bien. Bien, j'ai fait le test de tir. Alors écoutez, cette réplique est vraiment sympa. J'aime beaucoup cette réplique dans le sens où d'origine on a quand même une bonne petite cadence. Le groupement dans l'ensemble est vraiment pas dégueu, c'est plutôt bien. Au niveau réactivité en semi, bah c'est du d'origine, mais c'est quand même pas trop mal avec les batteries 11.1 d'origine, c'est vraiment pas dégueu du tout. Le canon et le bloc up, franchement ça fait bien son taf. On a une bonne portée même assez bien de loin, je vous avais vu au test de tir, c'était plutôt pas mal. Moi ce que j'aime beaucoup avec cette réplique, c'est surtout pour plusieurs choses. D'une, elle est fabriquée en acier et bois, ça lui donne vraiment un bon style pour une Kalachnikov. Deux, le package d'origine est vraiment bien fourni. Deux batteries 11.1 d'origine, le chargeur qui va avec, la tige de débourrage, les quelques clés de réglage et un chargeur iCap. Trois, j'aime bien aussi ses performances d'origine qui sont vraiment pas dégueulasses, et c'est plutôt intéressant de le noter. Je vais lui donner quand même un petit point noir, je vais quand même lui donner un point noir, parce que je chipote un peu, mais ça c'est mon avis. C'est vraiment la partie batterie garde-main. Dans le sens, c'est vraiment très bien, c'est hyper simple à mettre, il n'y a pas de complications comme sur les batteries stick ici ou dans la crosse. Ce que moi je n'aime pas, c'est juste que pour par exemple admirer la réplique, comme ici, il faut obligatoirement avoir le garde-main dans la réplique, sinon ça ressemble à rien du tout, c'est moche. Qui dit garde-main dans la réplique, dit batterie dans la réplique, et dit et qui dit réplique sous tension. Pourquoi ils n'ont pas mis la batterie dans la crosse? Mais j'ai remarqué un truc, c'est qu'avec les batteries dans la crosse sur les AK, ils creusent la partie bois à l'intérieur pour nous faire un espace de batterie. Est-ce que c'était pour éviter d'avoir une crosse un petit peu fragile à cause du fait qu'elle soit creusée à l'intérieur? Je n'en sais rien. Moi je trouve ça juste un petit peu chiant. Après, voilà, c'est vraiment parce que je chipote. Puis moi personnellement, je sais que quand j'ai pris les photos, il fallait tout de suite enlever le garde-main après, parce que évidemment. Mais admettons quelqu'un qui voudrait juste l'afficher sur le mur, le problème c'est que la batterie est insérée dedans. Cette réplique est à vendre à 429,90€ chez mon partenaire, donc c'est quand même pas négligeable, c'est quand même un bon petit prix pour une réplique. Spécialement pour cette vidéo, on vous propose un code de 10% de réduction sur cette réplique, valable un mois à la sortie de cette vidéo, avec le code TEAMERGKM10. Rentrez ce code avant de valider votre commande et vous profiterez de 10% de réduction sur cette réplique. C'est vraiment pas négligeable, profitez-en. Je remercie Guillaume de Gun & Target de m'avoir prêté cette réplique. Vous pouvez trouver son site et son Facebook dans la description, vous n'avez rien à faire. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à aimer la vidéo si elle vous a plu. Si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser dans la partie commentaire ci-dessous, je réponds à tout le monde. En attendant, je vous dis merci à tous, prenez soin de vous, portez-vous bien, et à la prochaine.